Good morning. Allez, Yiden, ce sera aujourd'hui le Nishman Richard Ron, Ben Fortune, Mazal Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal Dani, Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, Yiden, une prochaine vidéo, Mishnah, pour les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Yuma, Perikret, Mishnah, Bet. Aochel, Kekote, Vetagasa, Kamoa, Uchgar, Ainita. Veachote, Melulugmav, Chayav. Kol Aochelin, Mistafin, Lechakote, Vet, Vechol, Amashkin, Mistafin, Melulugmav. Aochel, Veachote, Ein, Mistafin. Comme on a commencé à découvrir dans la mission précédente, notre dernier chapitre de Yuma va traiter essentiellement de ce qui est permis et interdit à Yom Kippour. On ne parle plus de la voda Yom Kippour, on parle de chacun chez soi, ce qui est le devoir de, qu'on a à faire à Yom Kippour. En l'occurrence, essentiellement l'interdit de ne pas manger, de ne pas boire. Et la Torah, la mission cette fois-ci va nous donner, va nous préciser les quantités requises pour transgresser l'interdit de la Torah. Cette fois-ci, c'est pas manger un kazaït, c'est pas comme d'habitude, c'est autre chose. Aochel kekotevet agasa, celui qui va manger comme une grosse date. Côté vet, c'est une sorte de date. Et agassa, qui est grosse. Il y a plusieurs sortes de dates. Il est plus sèche. Tu prends une belle côté vet. Kamoa, comme elle, urgar inita, et comme son noyau. Ce volume-là, c'est le volume de nourriture à consommer pour transgresser l'interdit de Yom Kippour et de passible de karet. Celui qui mange moins, transgresse peut-être un interdit. Midoraita ou midarabanan, c'est une mise en discussion. Dans la Gemara ici, sur Khatsi Shiur, est-ce que c'est interdit la Torah midarabanan? Mais en tout cas, c'est sûr, c'est la moitié de la quantité interdite. Mais en tout cas, celui qui mange cette quantité-là, il est chayav karet. Et ve'achote ma'im melulugmav. Et celui qui va boire aussi de une grosse joue. Donc de quoi contenir. D'un côté, il va remplir sa joue avec le maximum de jus possible et il l'avale. Si elle a bu cette quantité-là, il est passible de chayav. Le chayav karet. Pourquoi il y a des quantités différentes? Toujours, on connaît bien les quantités dans la Torah. Ça marche toujours avec kazaït et revi'it. Là, d'un coup, la Mishnah vient nous dit qu'on a des autres quantités requises. Parce que la Torah ne nous a pas interdit de... Elle n'a pas expressément dit « Tu ne mangeras pas à Yom Kippour ». La Torah nous a dit « Tu te feras souffrir. »« T'es à nous et nefshotechem. » Vous souffrirez. C'est-à-dire l'interdit, en fait, il est de... L'interdit de la Torah explicite, il est de manger une quantité de nourriture qui va apaiser. Et lorsqu'on mange un kazaït, on a peut-être mangé quelque chose d'agréable, mais on n'a pas mangé quelque chose qui apaise. On n'a pas parlé de rassasié. Rassasié, il faut un kabeitsa, c'est un niveau plus haut. Entre le kabeitsa et le kazaït, il y a ce qu'on appelle la quantité de kakotevet, qui est une quantité agréable, qui apaise un peu, qui calme la faim, sans que ce soit malgré tout suffisant pour se rassasier. Donc c'est la quantité qui est précisée de kotevet agasa, une taille d'une date, le volume d'une date, quand elle inclut dedans son noyau. D'accord? Donc celui qui mange une date entière, à Yom Kippour, il ne va pas être hayav karet, parce qu'il n'a pas mangé le noyau. Même s'il le mange, ce n'est pas quelque chose de mangeable. On a parlé du volume. Il faudra qu'il remplisse le noyau avec des noix, par exemple. Alors là, il transgressera. D'accord? Kola Ochalin, Madame Hacham dit, Kola Ochalin mitztarfin l'chakotevet. Toutes sortes d'aliments s'associent, s'additionnent, pour former le volume de kotevet, d'une date. C'est-à-dire, tu décides de manger un petit bout de pain avec un peu de figue, et un bout de pomme de terre et un bout de concombre, ils vont s'additionner tous pour. Dès que tu vas manger la quantité, tu les mélanges, tu fais un bloubi-boulga, et tu avales ça. Ça avait une quantité de kotevet, une quantité de kotevet d'une date, d'une grosse date, et bien on a. Tout s'additionne. Idem aussi, v'chola machkin mitztarfin les melologomav. Tous les liquides, buvables, consommables, bien sûr, s'associe pour former la. Pour. S'additionne pour faire compléter le volume de mélolugmav de la joue. A savoir, donc, tu mélanges un peu de coca avec un peu d'eau et un peu de jus d'orange et un peu de jus de citron. Finalement, ça sort un mélange un peu bizarre. Mais quand tu le bois, ça apaise un peu. Eh bien, on transgresse l'interdit. Par contre, à Ochel Veshoté, si tu manges la demi-quantité. Tu manges une demi-date et une demi et après tu bois une demi-joue de jus. Ochel veshoté, celui qui mange et qui boit. En mitzafin, ça ne s'additionne pas. Parce que c'est deux sortes différentes. Manger, c'est une manière d'apaiser. Boire, c'est une manière d'apaiser. Manger à moitié et boire à moitié, ça apaise pas. D'accord? La Gemara précise, malgré tout, entre parenthèses, si on mange quelque chose avec sa sauce, avec, par exemple, un bout de viande avec un peu le jus qui sort, là, ça s'additionne parce que c'est comme ça qu'on le mange pour s'apaiser. Mais sinon, si c'est deux choses différentes, eh bien, ça ne s'additionne pas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.